Allez, salut, 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 salut à tous, voilà. Et puis salut à tous mes abonnés. Et en tout cas, merci de suivre les vidéos que je poste. Et aussi, grand merci à Ismo le Saïd, le Caïd. Voilà, il croit bien, c'est ça, le Caïd. Donc, nous allons débuter un peu rapidement. Maintenant, vous voyez, nous sommes sur la phase 2. Voilà, donc comme promis, je vais faire le remplissage de la phase 2 pour qu'on puisse aller un peu plus rapidement. Mais n'oubliez pas, toujours, envoyez, écrivez en commentaire vos coordonnées WhatsApp et votre adresse email pour que je puisse vous envoyer le dossier PDF. Ok, donc comme on l'avait déjà fait, j'avais déjà fait l'enregistrement ici, par ici. Et maintenant, une fois qu'on est déjà enregistré, il suffit juste, nous savons déjà notre email et notre parole. Bon, parole, c'est notre password. Donc, il faudrait juste que nous mettions juste là, ici. Et aussi, là, voilà, vous mettez le password, vous finissez, vous cliquez juste là. Behold, ici, c'est en langue russe. C'est comme si vous allez commencer maintenant à aller remplir votre deuxième enregistrement concernant la bourse de Turquie. Donc on y va et c'est parti. Donc vous cliquez ici. Attends. Ok, maintenant comme vous le voyez, c'est en langue russe. Voilà, il y a une transfusion ici, une traduction de langue ici. Donc moi je comprends mieux le français, donc je vais prendre le français. Voilà. Maintenant, tout est en français, vous voyez. Donc, comme c'est en français, ici c'est la page d'accueil et ici c'est les renseignements personnels. Voilà, donc on va essayer de mettre un peu en termes de renseignements personnels. Et puis, comme je vous avais dit au commencement, on va subdiviser ce truc, comment on appelle ça, ce remplissage en trois parties ou quatre. Voilà, nous avons déjà fait une première partie, c'est la deuxième partie qui est là. On va faire jusqu'à ce que ça ne puisse pas dépasser au moins 20 minutes. On fait le maximum pour ne pas que ça dépasse 20 minutes et puis voilà. Ensuite on fera le reste. Donc ici on dit vous ne pouvez passer à la phase de candidature car vous n'avez pas complété les champs obligatoires. Veuillez compléter les informations qui figurent à gauche. À gauche c'est ici. Vous voyez, donc on commence par là, par les renseignements personnels. Pour les renseignements personnels, je crois que c'est ce qui est là. Voilà, donc comme vous le voyez, voici mon nom qui est ici et tout ça. Donc on va éditer ici, raison personnelle, on va éditer, on va essayer de mettre un peu au moins une photo. Voilà, on va essayer de mettre une photo. Le photo est la photo, excusez-moi, la photo, prenez forcément la photo qui n'est pas de profil. Donc il faudrait qu'on voit bien votre face. Donc prenez une photo d'identité. Voilà, donc ici comme j'ai une photo dans mes fichiers, je vais aller choisir ici. Voilà, donc je vais choisir rapidement pour qu'on puisse continuer. Je crois bien que c'est où je mets fichier. Voilà. Je vais aller choisir rapidement. Bon, ici, voilà. Donc, moi je prends ça. Vérifiez bien, regardez bien cette photo. Vous voyez que je suis un peu de profil. Donc, ouais, je vais glisser pour prendre. En même temps, vous regardez sur votre droite, ça rogne mieux. Donc, si vous avez bien compris, regardez bien cette photo. Cette photo, je suis un peu de profil, c'est pas la photo appropriée. Voilà, mais comme je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous devez remplir, c'est pour cela que j'ai pris cette photo. Voilà, donc j'ai bien cadré maintenant. Je peux mettre OK. Voilà, donc la photo devrait apparaître ici. Voilà, la photo est là. Maintenant, ici c'est bon. Homme. Ici, état civil, célibataire. Date de naissance, c'est bon. Et puis ici. Pays de naissance, je vais prendre, c'est quoi, Côte d'Ivoire, je crois. Pays de naissance, Côte d'Ivoire, voilà, donc Côte d'Ivoire, et ici, ville de naissance, je vais mettre la ville, je vais mettre notre capitale, Abidjan. Ici, choisissez type de pièce d'identité, soit si vous remplissez avec votre passeport, vous prenez passeport. Si vous remplissez avec la carte nationale d'identité, vous prenez la carte nationale d'identité. Donc, la carte nationale d'identité. Donc, je prends ça. Le numéro de la carte nationale d'identité, vous voyez, ils ont mis un exemple ici, comme ça. Voilà, donc,
Vous prenez ça, vous pouvez faire la même chose. Voilà, vous prenez un exemple. Donc, je prends ça. Et la pièce d'identité. Ah, attendez que j'y revienne. Et ici, on nous demande, une fois que vous avez entré ici, votre pièce, le type de pièce, c'est quoi? Carte nationale d'identité, le numéro de la carte d'identité. Et maintenant, vous devez avoir le scan de cette pièce dans votre ordinateur ou sur une clé USB pour que vous puissiez la télécharger ici. Voilà. Donc ici, voilà, voici ma carte nationale, c'est CNI. CNI, c'est carte nationale d'identité. Donc moi, je prends ça. Voilà. Il ne faudrait pas que votre carte nationale d'identité pèse aussi trop pour ne pas que ça crée des problèmes. Donc une fois que c'est fini, je crois que ça va. Voilà. Je peux enregistrer maintenant. J'enregistre ici. Ok, je crois que ici c'est bon. Ici c'est bon. Donc voilà. Maintenant, une fois que vous finissez, information sur votre passe-temps. Je ne crois pas que ça soit un problème. Sur votre passe-temps. Ok, faites un choix de passe-temps ci-dessous. Détaillez votre passe-temps. Bon, je vois que ça, ce n'est pas trop important. Voilà, au passe-temps, je peux dire par exemple la musique, par exemple. Voilà la musique. Et puis, je peux mettre, comment on appelle ça, détail. Je peux mettre très émotionnel. Je mets ça, très émotionnel, c'est tout. Juste très émotionnel, c'est tout. Donc, j'enregistre rapidement. Ok, je passe ici. Il a fini avec le renseignement personnel. Ou bien je vois encore en bas, connaissances et capacités spéciales. Bon, ok, connaissances et capacités spéciales. Connaissances et capacités spéciales. Je peux prendre par exemple le piano et guitare et aussi football. Voilà, je crois que ça va. Je peux enregistrer, je crois, maintenant. C'est bon. Ok, je passe maintenant à l'information sur la famille, ici, au deuxième. Donc, information sur la famille. Ici, prénom de la mère, je vais mettre Estelle, comme ça. Donc, ça vous déremplit. Donc, faites ce que vous voulez. Votre mère est-elle vivante? Oui. Bien sûr. Prénom de votre père. Je peux mettre par exemple comme ça. Georges. Voilà. Votre père, il vit? Oui. Si malheureusement vos parents ne vivent pas, vous pouvez mettre non. Et voilà. Mais j'espère que vos parents vivent. Donc c'est oui, on va vivre. Nombre de frères et sœurs, je mets 2. État civil, célibataire, revenu. Revenu, nombre de frères et sœurs, votre mère travaille-t-elle? Elle ne travaille pas. Ici, votre père travaille-t-il? Non. Et ici, revenu. Et revenu, si votre père il travaille, comme ça, s'il travaille, vous pouvez mettre de 50 à 100, vous comprenez, ou ça. Mais s'il ne travaille pas, vous mettez seulement de 0 à 50. Voilà. Donc je crois que ça va. Et votre père travaille-t-il? Non. Donc je crois que ça va. Je peux enregistrer. J'essaie d'enregistrer et voyons voir ce qui sort. Ok, une fois que c'est coché là, ça veut dire que ça va. Vous pouvez continuer. Détail de contact. Ok. Comme je vous l'avais dit, il ne faudrait pas que je dépasse 20 minutes. Voilà, pour que le téléchargement sur le compte YouTube soit un peu efficace. Détail de contact. Ici, au troisième là. Détail de contact. Ici. Le pays, Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire. La ville, choisissez Abidjan. Voilà.
code postal. Voilà, si vous avez votre code postal là-bas à Abidjan, vous pouvez mettre. Voilà, mon code postal est comme 12 BP, 12 comme ça, c'est un exemple, 12 BP, 1683, Abidjan, 12. Voilà, comme ça, vous pouvez ajouter. Ok, le téléphone de domicile, je crois que je vais prendre le nouveau téléphone, je vais mettre. 33 12 44, le portable aussi, j'ai mis la même chose, 33 12 44. Ok, l'adresse et l'avenue. Pour l'adresse et l'avenue, je peux mettre l'adresse, par exemple la rue, je mets par exemple rue Benger, par exemple, voilà, comme ils sont beaucoup là-bas, rue Benger. Voilà, donc rue Benger, le numéro du bâtiment, je peux mettre par exemple 4, numéro du poste, je ne crois pas que ça soit, comment on appelle cela, important. Ok, si votre adresse de résident est différente des coordonnées dont vous avez saisi, veuillez cocher les cases ci-dessous. La case ci-dessous, c'est pas différent, donc je vais pas cocher. Indiquez la durée de votre séjour dans l'adresse concernée en mois et en année ou en année. Donc en année, je suis resté là-bas combien de temps, depuis combien de temps résidez-vous à cette adresse? Depuis peut-être 12 ans. Voilà, depuis 12 ans. Médias sociaux, tout ça, tout. Facebook, Twitter. Et ça, je crois que... Facebook. Facebook. Samos. Vous insérez votre Facebook peut-être ici. Voilà, je crois que ça va. Ok, là c'est bon, ça va. Je peux enregistrer. Voyons voir si je peux enregistrer. Ok, c'est enregistré. Vous voyez, ils ont coché ici en bleu. Donc ça veut dire ça va. Information sur l'enseignement. Donc je prends l'information sur l'enseignement et je termine là pour que je puisse enregistrer et faire votre troisième enregistrement. Donc ici, école moyenne, le collège. Ok, donc je prends ça. Ici, ils ont mis pays, c'est toujours la Côte d'Ivoire pour moi. Côte d'Ivoire. Voilà. La ville, toujours Abidjan. École. École ici, je vérifie ici. Vous choisissez l'école, genre le lycée, votre lycée, où vous avez eu, par exemple, puisque on est dans le collège, donc où vous avez eu votre diplôme de CEP. Voilà, peut-être votre diplôme de CEP. Donc moi, c'était où là? C'était à Kumasi. Voilà, donc c'était au lycée moderne de Kumasi. Au lycée municipal de Kumasi, je crois. Lycée municipal de Kumasi. Donc, il cherche le lycée municipal de Kumasi. Lycée ici, lycée municipal de Yopougon. Lycée municipal OPQRSL. Lycée municipal de Kumasi. Ok, donc. Ici, lycée municipal. Ok, donc je vais prendre le lycée municipal de Gonzagueville. Ici, état, choisissez Jean. Si en troisième vous avez eu le diplôme, donc diplômé, oui. Ici, la note.
et ici aussi la note. Donc ici la note, vous pouvez prendre par exemple 15, si vous avez eu vraiment 15, donc 15, combien, 15, 15, ça dit quoi la note, ok. Ah, j'ai oublié ici date de début. J'ai commencé, je crois j'ai commencé en 6e en 2004. Ouais, j'ai commencé la 6e en 2004. Donc, 2004, c'est en octobre, je crois, en octobre. Et puis, nous, on fait les cours là-bas le 17, 17, 10e en 2004. Et j'ai fini en 2008, je crois. En 2008 ou 2007, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. J'ai fini en 2008, je crois. Ou 2007. Bon, je vais prendre 2008. J'ai fini en 2008 aussi. Octobre, le 13. Ok. Maintenant, type de note. Attendez que je vois. Choisissez. Oh non, ici. Ici, type de note. C'est sur 20. Oui. C'est sur 20. Donc, je prends 15. 15,35. Voilà. Donc j'ai eu 15,35. Donc c'est ce qui est mentionné là, si vous voyez bien, 15,35. Et ici, vous devez télécharger le diplôme pour mettre là le CP. Voilà, vous mettez votre diplôme CP là et vous mettez la note là-bas. Donc ici, je prends ça comme le diplôme de CP. C'est pas le diplôme, mais je n'ai pas le scan du diplôme. Sinon ici, vous mettez le diplôme de CP et c'est ici que vous mettez le relevé de notes. Vous comprenez? Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas de relevé de notes, c'est pas un problème, c'est pas grave. Vous pouvez laisser cette place là pour continuer. Voilà. Donc ici, c'est là-bas que vous mettez le relevé de notes et l'autre côté, vous mettez le diplôme. Voilà. Donc n'oubliez pas. C'est le diplôme et le relevé des notes. Voilà, donc une fois que c'est fini, on dit quoi? Veuillez saisir le degré de mérite, succès dont vous avez obtenu lors de vos études, le cas échéant de l'école. Avez-vous obtenu une classe significative à ce niveau? Oui. Oui. Domaine de réussite. Ils ont dit quoi? Attends que je lise bien. Avez-vous obtenu un classement significatif à ce niveau? Oui. Voilà. Ordre de réussite. Troisième. Disposez-vous un document qui justifie votre niveau de réussite? Si vous mettez oui, ici par exemple, ils vont vous dire de voilà. Vous allez télécharger encore le diplôme. Si vous avez un certificat, vous mettez ça là-bas. Voilà, moi mon certificat c'est dans mon sac, donc je ne vais pas. Mais si vous ne voulez pas mettre tout ça, mais sachez que ça compte aussi, parce que tout ça là, ça fait preuve de votre niveau de compétence, de votre niveau d'études et de votre capacité et tout ça. Donc si vous complétez avec des tests, genre comme un certificat que vous avez reçu lorsque vous étiez troisième de votre école et tout ça, vous pouvez mettre. Voilà, mais moi je n'ai pas ça sur un scan, donc je ne peux pas cocher cette case. Donc une fois que c'est fini, j'essaie d'enregistrer et j'enregistre. Voilà, une fois que j'enregistre, il faudrait que ça sorte là-bas bleu pour que on puisse continuer. Ok, donc c'est bon, je crois. Donc ici, information sur l'enseignement, c'est bon. Maintenant, si vous avez fait le collège, le lycée, vous avez fini de remplir, ici, le premier cycle aussi, vous remplissez. Pour ceux qui viennent faire, par exemple, comment on appelle ça?
La licence, vous devez forcément remplir pour le premier cycle. Vous comprenez? Voilà. Pour ceux qui veulent faire la licence supérieure, c'est-à-dire le master, vous remplissez forcément pour la licence. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Comme c'est comme si je pas fait peut-être comme ça, le premier cycle ou bien la licence. En fait, le premier cycle et la licence, c'est la même chose. Mais si vous voulez vraiment aller faire la licence, il faudrait que vous puissiez remplir ici dans le premier cycle ou bien ici dans le lycée les données de votre baccalauréat. J'espère que vous comprenez cela. Ce qu'on vient de faire, c'est pour le collège. Voilà. Donc, vous remplissez aussi pour le suivant avec les dossiers de votre baccalauréat et comment je dirais, les relevés de votre baccalauréat. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ensuite en faire tout à l'heure une troisième partie pour pas que le fichier soit trop soit pour pas que le fichier soit trop lourd pour mon compte YouTube. Ok, donc что я могу тебе дать вместо заплаканных глаз не быть причиной для слез что я могу тебе дать я ведь богат но не так как богаты они что я могу тебе дать вот мое сердце